Je vais vous parler de ce qui se passe en Égypte avec le président Hosni Moubarak. Il se passe quoi justement ? Donc c'est pareil qu'en Tunisie, sauf que voilà, il y a le peuple qui font un peu entre parenthèses la révolution de l'Égypte et disent voilà, Hosni Moubarak, tu dois quitter le poste et tout. Pourquoi ils veulent le départ du président ? Parce que la vie elle est trop chère, il y a beaucoup de hausses. Notamment, surtout ce qui se passe fruits et légumes. Le président a affirmé à la télévision qu'il ne se représenterait pas, mais pour le peuple égyptien, ça ne suffit pas. Il y a le président Barack Obama qui insiste, qui essaye d'appuyer vis-à-vis de le président Hosni Moubarak de quitter le poste. Et le président, il a dit qu'il ne voulait pas, qu'il ne se représenterait pas aux élections de l'année prochaine. Et qu'il a dit qu'il quitterait que le pouvoir jusqu'au mois de septembre. Le peuple, il veut vraiment que le président parte maintenant, vu ce qu'ils ont voulu faire un peu comme ce qui s'est passé en Tunisie. Tu comprends que ce qui s'est passé en Tunisie ait donné entre guillemets des idées, des envies au peuple à côté ? Non. Pourquoi ? Parce que la révolution tunisienne et la révolution égyptienne, c'est pas pareil. Parce que il y a des choses qui se ressemblent, mais il y en a d'autres pas. C'est-à-dire ? Bah, par exemple, on comprend pas pourquoi ils veulent que le président y part, le président Hosni Moubarak. Et alors qu'en Tunisie, on comprenait. Mais pourquoi tu comprends pas que là, le peuple égyptien veut qu'il parte ? Parce que en fait, ils disent voilà, faut qu'ils partent. Mais je crois qu'ils ont voulu faire comme l'Égypte, comme la Tunisie. Et tu les comprends pas ? Ils ont pas de raison pour vouloir ça ? Peut-être la hausse de la vie, entre guillemets, mais à part ça, non. Ils peuvent prendre une décision avec le gouvernement, mais pas par sur le temps. Comment tu penses que ça va évoluer là dans le pays, dans les jours ou semaines à venir ? Bah, ça va continuer jusqu'à ce que le président parte. Et tu crois qu'il va partir ? Non.